Alors, bonjour à tous. J'ai hésité à faire la vidéo que je vais vous faire. Vous allez comprendre pourquoi. Comme je l'ai dit hier, je me suis acheté l'oracle de G. J'ai déjà fait un premier tirage. Et hier soir, ben, pour me familiariser avec, j'ai voulu faire un tirage en demandant l'avenir de Monsieur Macron. Bon, je m'attendais pas du tout à ce que j'allais avoir. Je vais vous montrer. Bon, j'ai trouvé le moyen avec la caméra de. Ça va quand même bouger un petit peu. Voilà. Alors, je vais agrandir. Voilà. Alors, voilà. Comme ça, vous voyez un peu mieux. Alors, je vais vous montrer un peu. Alors, j'ai eu en première carte, j'ai eu la route toute en n'importe quel sens. Voilà. En deuxième carte, j'ai eu voilà le vieillard. Vous voyez les cartes à l'envers, mais c'est pas trop grave. Vous voyez un petit peu. Je vais remettre la caméra à droite. Voilà. Alors, c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors, j'ai eu la carte qui représente l'hiver. Ensuite, si ça veut bien défiler, voilà, c'est peut-être voilà, ça fait moins de bruit. Voilà. Alors, j'ai eu le fameux parchemin que vous avez déjà vu hier. J'ai eu le chien. Et je vais vous expliquer après. J'ai retiré une nouvelle carte où j'ai eu l'automne. Alors, j'étais même étonné, je ne comprenais pas du tout ce que ça venait faire, ces choses-là. Donc, faut savoir qu'en voyance, attendez, je vais remettre un peu la caméra dans le bon truc, voilà. Voilà, vous avez un peu l'image du tirage comme ça. Je vais remettre la caméra normalement, comme ça vous allez voir. Alors, faut savoir qu'en cartomancie, en voyance, la prédiction des dates, c'est extrêmement difficile, c'est jamais clair. Mais là, j'étais fortement surpris. Donc, je reviens à mon avenir de Macron. La route dans tous les sens, bon, c'est bien la voie qu'il est en train de suivre. Un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche, je ne sais pas par où je vais, je ne sais rien du tout. C'est du chaos complet en ce moment. Le vieil homme, bah pour moi c'est l'état psychologique et physique dans lequel se trouve actuellement Macron. C'est pour moi c'est le vieil homme. Il est incapable de prendre des décisions. Dû peut-être à la fatigue, etc. Bon, c'est le vieillard, pour moi, s'il est dans un état d'un vieillard. Après, je vous ai montré tout en haut, j'ai eu la carte de l'hiver. Alors, dans l'oracle de G, ça donne c'est les saisons, c'est la carte des saisons, d'après ce que j'ai compris, qui donne des points de repère temporels pour ce qui va arriver. Donc, soit ça allait commencer en hiver, donc le 21 décembre, soit finir à la fin de l'hiver, le 20 mars. Donc, j'ai déjà deux points de repère, à se souvenir. Le fameux parchemin, bah, comme je vous ai dit, plusieurs fois, pour moi, Macron, ben, il va démissionner. Est-ce que ce parchemin, ce n'est pas la représentation de la signature de l'acte de démission? J'ai bien l'impression. C'est ce que moi j'ai ressenti. Alors, j'ai eu le chien au milieu. Et ça m'a posé question. Le chien, je me suis demandé ce qu'il venait faire là-dedans. Surtout que c'était un beau petit chien. Alors, il faut savoir, moi j'ai envoyé un mail hier soir à. Comment? Magie Blanche, que je remercie fortement de son aide, parce que bon, elle m'a pas trop éclairé, mais elle m'a mis sans le savoir sur la voie. Je lui demandais ce que voulait signifier le chien. Alors, c'est soit un bon côté, soit un mauvais côté.
Et puis dans mon tirage, comme j'avais des gros doutes, j'ai retiré une carte. J'ai eu l'automne. Alors, j'ai mis un message à Magie Blanche qui m'a répondu que le chien, le bon côté, le mauvais côté, et que pour elle, ça représentait, entre guillemets, Monsieur Chenu, que je ne connaissais pas. A priori, c'est quelqu'un du Rassemblement National. Bon, moi, ça m'a semblé... Bon, j'étais pas chaud. J'ai fait des recherches sur Chenu. Quand j'ai vu le chien, j'ai eu une vague idée. J'ai dit le chien, le chien, le chien. J'ai tout de suite pensé au Cerbère. Alors, c'est le chien qui garde l'entrée des enfers chez les Romains ou les Grecs dans le temps ancien. Bon. Ça, Cerbère, c'était un chien méchant, donc c'est pas l'image du chien gentil qu'on a là. J'ai été regarder un peu la traduction du mot chien en latin, qui c'est canem, si je me souviens bien, qui a donné canin. J'ai regardé aussi en grec, c'est jamais, hein. Bon, comme je m'intéresse un peu au latin et au grec, j'ai regardé aussi en grec. Xinos a donné les compagnies cynophiles, donc les compagnies de chiens. Donc ça n'avait aucun rapport. Donc je suis resté sur ma faim. Et puis je ne sais pas, j'ai regardé un petit peu sur j'ai regardé un peu les présidents qui ont eu un chien. Alors je suis tombé sur un site internet où on montrait Mitterrand, Chirac, Giscard, etc. Tout le monde avec son petit chien, y compris notre président avec son chien qui fait ses besoins où il faut pas. Puis là j'ai été éclairé d'un seul coup aux lumières. Le chien, le chien, ça représente pour moi, c'est le compagnon. C'est ce que j'ai répondu après à Magie Blanche. Le chien représente le compagnon d'un homme. En fait, c'était l'homme qu'il fallait voir, mais on pouvait pas le voir tout de suite. Et l'homme, c'est Macron. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je reviens à ma carte des saisons, automne, hiver, automne. Alors, pour ceux qui me suivent dans mes commentaires, et puis chez Daniel, chez Manu, etc., plusieurs fois la question de quand allait partir Monsieur Macron a été posée. Moi, je reste sur ma position mars-avril. Comme par hasard, mars correspond à la fin de l'hiver. Et Daniel récemment avait fait avec le pendule du Tot, vous allez voir sur son site, sur sa chaîne, pardon, vous allez voir, lui était tombé sur courant septembre, c'est-à-dire la fin, le début de l'automne, au 23 septembre. Donc, les deux cartes signifient pour moi, ça donne pas une date exacte. Encore une fois, on n'est pas capable de la donner. Mais ça, pour moi, ça confirme la fourchette de date entre le 20, alors, je suis précis, entre la fin de l'hiver et le début de l'automne, donc entre le 20 mars et le 23 septembre. J'étais fortement surpris, je ne croyais pas ce que je voyais. Ce qui confirme un peu ce que moi j'avais répondu à dans la vidéo que Daniel avait faite là-dessus, quand il avait fait son pendule du Tonne, j'avais dit, bon, moi je mets un écart de temps entre mars, avril et septembre. Et ben vous avez confirmation de ça. Alors, encore une fois, ce n'est pas à prendre avec certitude. Ce n'est que... qu'une prédiction. Hier, Daniel m'a répondu gentiment que en cartomancie, on n'avait pas la maîtrise du temps, je sais bien. Mais quand on a une confirmation comme ça de l'échelle de temps, voilà. Donc pour moi, au plus tôt, mois de mars, donc fin de l'hiver,
Quand j'ai eu la carte, j'ai eu l'hiver après le printemps. J'aurais eu pardon, l'automne. J'aurais eu automne-hiver. Je me serais dit bon, bah, c'est bon, ça va se passer là comme ça. Mais hiver-automne, c'est bien l'année prochaine. C'est bien 2019. Donc voilà. Alors, encore une fois, ce n'est qu'une prédiction. Je ne garantis rien, j'ai pas la maîtrise du temps. Mais a priori, maintenant, est-ce que d'autres médiums, d'autres intervenants sur les chaînes pourraient confirmer ce que moi j'ai fait en faisant d'autres tirages pour là, avec Daniel, on a une limite maximum au mois de septembre. Donc moi j'aimerais bien que quelqu'un essaye de voir plutôt quand pourrait se dérouler la démission de Macron. Bon, chacun a l'air d'avoir un petit bout de l'information. Voilà. Mais sur ce, bonne journée. Ici dans le nord il fait bien gris, il pleut, il fait froid. Moi je dois sortir ce matin parce que ben, il faut bien que j'aille faire des courses pour me nourrir, comme tout le monde, il faut bien se substanter. Et puis ben je ne sais pas, je referai sûrement une vidéo ben, les prochains jours, suivant comment ça va tourner, parce que là je crois que les événements sont appelés à s'accélérer fortement dans les jours prochains. Voilà. Sur ce, une bonne journée, et puis encore une fois, faites bien attention à vous, ne vous exposez pas là où il faut pas. Voilà. Ben, bonne journée à tous. Allez, au revoir et à la prochaine.